C'est en 1952 qu'Henri Pellet, militant internationaliste aujourd'hui décédé, a filmé ces images de Messaliadj. Une fois encore, en l'exilant à Niort, l'impérialisme français a voulu l'éloigner de son pays, de son peuple et de son parti. On pourrait mot pour mot appliquer aux dirigeants nationalistes ce que disait, en parlant d'Auguste Blanqui, un de ses camarades de captivité. Il semble qu'il soit né prisonnier. Tous les 10 ou 15 ans, on lui connaît un quart d'heure de liberté. Il fait un acte, il dit un mot, puis il retombe aux prisons. Il y était quand les hommes de notre génération têtaient leur mère. Il y était encore quand nous nous levions des bancs de l'école. Et nous l'y retrouvons quand nous sommes déjà aux trois quarts de notre vie. En découvrant ces images, nous avons pensé qu'elles pouvaient être le point de départ d'un document sur le combat de Messaliadj et de ses compagnons de lutte, des deux côtés de la Méditerranée. Messali, j'ai pas peur des mots. Je considère qu'il a été un génie. Dans tout le mouvement national jusqu'au 1er novembre 1954, il a été le seul, je dis bien le seul, homme politique à avoir revendiqué l'indépendance totale de l'Algérie. Et que malgré toutes les années de prison qu'il a subies, et malgré les pires humiliations, et malgré les menaces, et malgré les intimidations, et malgré les offres du colonialisme, il n'a jamais plié. Messaliadj est un autodidacte. Il n'a pas fait d'études. Du fait de la situation des enfants de l'Algérie dans les années antérieures à la Première Guerre mondiale et bien évidemment postérieures, il n'a pas fait d'études. Et c'est quand il va arriver en France qu'il va suivre des cours en auditeur libre dans diverses facultés, etc., parce qu'il veut comprendre. Le 15 octobre 1923, Messaliadj s'installe ici, au 6 de la rue du Repos dans le 20e arrondissement de Paris. Il va y vivre pendant quelques années et son domicile va être un des centres du mouvement national algérien, à quelques pas du mur des fédérés. Messali est venu en France tout jeune, après qu'il ait été soldat. Et je me souviens ce qu'il me disait, vous savez, camarade Lambert, ce que ça représente pour un jeune, était né à Tlemcen, d'être sur le trottoir et marcher avec son vieux père. Et à ce moment-là, les colons, quand ils passaient, il fallait aller sur la chaussée. Ça posait drôle de problème. Jamais été anti-français. Jamais d'ailleurs, je suis marié avec une Française. Ne me prenez pas là, cela dit, c'est intolérable, des choses pareilles. Il rencontre Émilie Buscan, une jeune Lorraine qu'il va bientôt épouser. Elle va jusqu'au bout partager sa vie et son action, jouant un rôle important dans le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Émilie va le seconder et parfois même le remplacer quand il est emprisonné. C'était une militante algérienne à part entière. C'est ici, rue du Repos, qu'elle va broder un drapeau, le drapeau national algérien imaginé par Messali. Elle meurt en 1953 à Alger. Et c'est une assemblée de militants français et algériens qui assistera à son enterrement en Lorraine, où son corps a été transféré, et en présence de Messali qui a arraché au dernier moment le droit d'être là. Par-delà la tombe de celle qui fut mon épouse, je m'adresse au peuple français et je lui dis: cette Française qui était Lorraine m'écrivait dans les moments les plus difficiles, dans le noir et le secret des prisons. Messali, tu es sur la bonne voie. Dans mon cœur de Française, je sens qu'il n'y a pas de frontière pour la liberté. Par-delà la tombe de celle qui fut mon épouse, je m'adresse au peuple algérien et je lui dis: vois, il y a des Français, travailleurs et démocrates, qui sont avec toi dans la lutte contre les oppresseurs.
par-delà la tombe de celle qui fut mon épouse, je m'adresse au peuple algérien et français et je leur dis, ensemble, nous construirons une société plus humaine, plus juste, où la liberté ne sera pas un vain mot. Chassés de leurs terres par la colonisation et les propriétaires fonciers, de nombreux Algériens n'ont pas d'autre choix que d'émigrer en France, plus particulièrement là où il y a du travail, dans les grosses régions industrielles, le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes, l'Est, la région parisienne. C'est précisément dans la région parisienne, autour de Messali, et d'un noyau de militants proches du jeune parti communiste que naît l'idée d'une organisation algérienne spécifique. Le 12 juin 1926, l'étoile nord-africaine est proclamée. Elle sera dissoute dès 1929 par le gouvernement Tardieu. Reconstituée à partir des années 30, la deuxième étoile nord-africaine va se détacher de ses liens avec le Parti communiste français. La fin des années 20 va aboutir à un double phénomène dans le Parti communiste français et dans les autres partis communistes. Premièrement, un mouvement de stalinisation, d'assimilisation à la bureaucratie naissante autour de Staline et autres au Kremlin, c'est incontestable. Et ce qui s'est passé, c'est un jour d'ailleurs une discussion que nous avions ensemble, parce que j'ai vu souvent une fois Messali. Il me disait, c'est curieux, l'attitude a changé après l'exclusion de Trotsky. Il m'a dit, pour ma part, je ne savais pas pourquoi, je n'ai pas suivi du tout. Mais l'attitude a changé. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait dire plus ou moins être d'accord quand on n'était pas d'accord. Et ça, je n'ai jamais accepté. En 1931, paraît El Houma, le premier journal nationaliste algérien. Deux ans plus tard, l'organisation nationaliste adopte un programme politique radical qui la différencie de tous les autres mouvements algériens de l'époque. L'étoile nord-africaine garde ses revendications qu'elle a formulées à partir de 1933. L'Assemblée nationale constituante souveraine élue au suffrage universel. L'indépendance totale de l'Algérie, elle est le seul à le formuler de manière aussi nette dans une question coloniale. L'unité du Maghreb, c'est un mot d'ordre qui est extrêmement important pour Messali, parce que peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Messali a ce double caractère extraordinairement intéressant. C'est à la fois un nationaliste, il veut l'indépendance nationale de l'Algérie, et c'est un internationaliste. Il multiplie les liens avec les organisations similaires, non seulement au Maroc et en Tunisie, mais partout dans le monde, avec le mouvement ouvrier français, avec toutes les tendances du mouvement ouvrier français, il aura des liens extraordinairement forts. C'est un nationaliste et un internationaliste. Pour nous, le problème est simple. Dans tout cela, ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est la libération du Maghreb arabe. Cette union réalisée, elle peut nous ouvrir les portes en Afrique du Nord, en France. Elle peut nous trouver des sympathies auprès de la classe ouvrière française qui est déjà habituée à nous, à notre lutte. Cette classe française, ce peuple français qui a vu l'étoile nord-africaine naître sur les bords de la Seine et se développer dans son sein. Ce peuple français, cette classe ouvrière, en doute tous les temps vibré à nos côtés. Le 1er novembre 1934, soit juste 20 ans avant la première insurrection du peuple algérien, Messali va connaître sa première arrestation qui le conduira à la prison de la Santé. En 1936, le gouvernement de Front Populaire, présidé par Léon Blum, va procéder à la seconde dissolution de l'Étoile, pourtant membre de la coalition qui le soutient. Messali reconstitue une nouvelle organisation, le Parti du peuple algérien, qui est proclamé le 11 mars 1937 à Nanterre.
Les divergences entre l'étoile nord-africaine et les autres partis politiques algériens s'accentuent. Donc il y avait, en ce moment-là, il y avait Misail Hadj qui réclamait l'indépendance totale de l'Algérie. Il y avait de l'autre côté ce qu'on appelle le colonialisme français qui nous combattait, qui combattait le PPA et Misail Hadj, qui l'a arrêté plusieurs fois, a été arrêté, emprisonné à Lombez, à Chilala, à Niort et même à Brazzaville, Congo-Brazzaville. En ce moment, il y a d'autres aussi, ce qu'on appelle les vallées du colonialisme. Il y avait les Bachara, les Qaïd, tous ces gens-là, et collaborer avec le colonialisme pour que l'Algérie restera française. Et de l'autre côté, nous avions des éléments qu'on appelle les réformistes, le Farhat Abbas, Mjelloul et d'autres qui voulaient aussi, et le Congrès musulman, qui voulaient l'assimilation des Algériens, c'est-à-dire on doit être des Français à part entière. Il voulait une espèce d'autonomie, un peu plus de droits pour les Algériens, mais ça n'allait pas plus loin. Seul le PPA avec Messali Hadj revendiquait le droit à l'indépendance et à la nation algérienne de façon très clair et très net. Le Moutambar Islami Jazairi, inaqad fi 7 juin 1936. لأنه هذا المؤتمر اللي انعقد باش يدافع على مشروع بلوم فيولات الاندماجي صدر ما يسمى ميثاق الشعب الجزائري. والبند الثاني، الميثاق هذا متكون من 6 بنود. البند الثاني ينص على ادماج الجزائر مع فرنسا دون قيد وشرط. في 17 جويه نفس السنه بعثوا وفد الى فرنسا برئاسه بن جلول لليون بلوم اللي اصبح وزير رئيس الوزراء بعد انتصار الجبهه الشعبيه، وموريس فيولات الذي كان حاكم عام للجزائر من 25 إلى 27 بعد ما طردوه المستوطنين لأنه كان ليبرال. مصائل الحاج سمع بهم، راح لهم في الجراند أوتيل، اجتمع معهم طول الليل، قال له يا شيخ بن باديس، أنت إنسان محترم من طرف الشعب الجزائري، كيف توافق على إدماج مع عيا مهم؟ انطق ليه واحد اسمه طالب عبد السلام، كان محامي ومتوريزي، قال له الجزائر لالجيرينا جامي ايتي ان ايتا ان جامي ايتي ان ناسيون نو سورا جامي ان ايتا اي بوي افيك كوا فوز الي فير سورتير لا فرانس افيك دي كارت. À son retour de France, la délégation présente les résultats de sa rencontre avec Léon Blum et Roger Violette. Le réveil national du peuple algérien s'est fait le 2 août 1936. C'est là que le peuple algérien a compris qu'il y avait possibilité d'accéder à l'indépendance. Et c'est là que vous pouvez éventuellement témoigner qu'il y a eu le plus grand des effectifs des nationalistes qui ont rallié le parti. Ce jour-là, Misail Hadj est arrivé au nom de l'étoile nord-africaine au stade municipal d'Alger. Il a demandé la parole. On lui a refusé la parole. Sur injonction de Ben Badis, on lui a accordé la parole limitée. Limitée de quelques minutes. Il a pris 2 poignées de terre. Il est monté sur le bureau. Il a dit « Cette terre, elle est ni à vendre ni à acheter. Elle a ses héritiers. » Et l'étoile nord-africaine, elle veillera. Il a jeté cette terre sur le peuple algérien et le drapeau algérien a été hissé. Alors la foule, ils ont descendu, ils ont mis sur l'épaule. Ils ont tourné le stade plusieurs fois.
Ils chantent Allah Akbar, Allah Akbar, Tahiya al-Jazair, vive l'Algérie, etc. C'est à ce moment commencé la guerre, la bataille entre Massali et le Congrès musulman. La réaction des autorités françaises est sans détour. Le 27 août 1937, Messali est arrêté, condamné à 2 ans de prison pour reconstitution de ligue dissoute, provocation des indigènes à des désordres, manifestation contre la souveraineté française. Cela inaugurera pour lui une longue période d'emprisonnement et d'exil. Je raconte ça parce que je crois que ça pourrait faire comprendre un certain nombre de choses ensuite. Il a été arrêté, Messali, en 1937 ou 38, je ne sais pas exactement bien, et il était à la prison d'Alger. Alors, parce qu'il est resté pour l'indépendance de l'Algérie, pas du tout. Alors, au moment de la guerre, un émissaire du gouvernement d'Aladier, le gouvernement d'Aladier à l'époque, c'est lui qui était le gouvernement français qui était en guerre contre l'Allemagne, et donc, un émissaire est venu le voir en prison en lui disant « Monsieur Messali, bon, vous avez des problèmes, c'est vrai bon, que sur ce terrain-là, nous avons des responsabilités, mais il y a la guerre. Faites une déclaration et ensuite on réglera les problèmes par la guerre. » Messali a répondu « Libérez-moi, libérez mes amis, nous allons faire une conférence et on vous répondront. » Bien entendu, il est resté en prison. À la sortie de la guerre, Messali et les militants de son parti bénéficient d'un grand prestige dans la population algérienne. Dû à la fois à leur intransigeance dans la formulation des revendications et à leur refus du nazisme. À chaque fois qu'un gouvernement lui a proposé de collaborer à sa politique, Messali Hadj a adopté la même attitude. Il y a eu donc un changement de gouvernement avec Pétain. Le gouverneur général était le général Végan. Bon, de triste mémoire, bon, donc il a été en fait un pétainiste notoire, le général Végan, il lui a envoyé un émissaire. Et il lui a dit, cet émissaire lui a dit, oui, la démocratie, la République démocratique s'est conduite mal avec vous. Alors, je ne dis pas textuellement les choses, parce que je n'ai pas pris des notes. Elle s'est conduite mal avec vous, bon, mais la guerre continue. Donc, tiens une déclaration, et à la fin de la guerre, on réglera les problèmes. Mais Messali a répondu, libérez-moi, libérez mes amis, pour une conférence, et il est resté en prison. Il est en prison. Il a été déporté, on a cherché à le briser, à l'humilier. Imaginez par exemple que les gardiens, les geôliers de sa prison vichiste lui rasaient le crâne et lui rasaient les sourcils pour l'humilier de toutes les manières possibles. Et il n'y était brisé ni physiquement, ni politiquement, et son organisation non plus. Prestige énorme. En 1943, lors de la libération de l'Afrique du Nord par les troupes alliées, il est sorti de prison et placé directement en résidence surveillée. Puis il est exilé à Brazzaville. Il y avait une commission qui s'appelait Commission des études et réformes musulmanes. Et il est arrivé et on lui a demandé aussi de faire une déclaration. Il a expliqué, libérez-moi, libérez mes amis, etc. Et là, je crois qu'ils l'ont envoyé déporter à Brazzaville. Le 1er mai 1945, en Algérie, la police tire sur les porteurs de drapeaux algériens dans les cortèges syndicaux. Les Algériens ont participé à cette guerre et ont payé un lourd tribut pour la liberté dans le monde, et ils estimaient
ils estimaient qu'ils avaient droit, eux aussi, à la liberté et à leur souveraineté. Et ils ont manifesté, d'ailleurs, pacifiquement. Il y a plusieurs morts. C'est le premier acte de la violente répression des émeutes du 8 mai à Sétif, à Guelma et à Kerata. En 1945, le Parti communiste français est au gouvernement au moment des massacres de Sétif et de Guelma. Et il les couvre totalement. Il parle d'une provocation hitlérienne. Tract du Parti communiste algérien, abat les provocateurs hitlériens, daté du 3 mai 1945. Le PPA, développant dans les trois départements ses mots d'ordre d'indépendance de l'Algérie, de création du maquis algérien et semant la haine entre Algériens, en organisant ces troubles, est le parti qui applique en Algérie les mots d'ordre que donnent les hitlériens à la radio nazie. Les masses algériennes balaient ces calomnies. Les élections municipales de 1947 voient un raz-de-marée pour le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Raz-de-marée dans le seul second collège, puisqu'il faut le rappeler, il n'y a pas suffrage universel, mais division du corps électoral entre indigènes et européens. Après le premier congrès du PPA, le 15 février 1947, où une décision a été prise à l'unanimité, la création du MTLD, le mouvement des triomphes des libertés démocratiques, parti légal, c'est une vitrine politique pour le PPA. Et de l'autre côté, la décision a été prise, la création de l'OS, l'organisation secrète, pour la préparation du déclenchement de la révolution armée. Et de l'autre côté, les jalons ont été posés pour un syndicalisme algérien. J'ai été contacté et coopté pour faire partie de l'organisation secrète qui s'appelait l'OS. Cette organisation était une organisation parallèle, mais qui avait pour seule tâche une instruction militaire en vue d'une lutte armée. La constitution du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques va voir se lever autour de Messali Hadj une nouvelle génération de militants. 60 ans après, nous en avons rencontré certains à Tlemcen, à Alger et à Lille. Anciens militants dans les rangs du PPA-MTLD depuis mon enfance. Nous avons combattu pour la libération de l'Algérie et on était jeunes. Moi j'avais peut-être 13-14 ans, et bien j'ai connu Messali Hadj dans notre quartier, au sein de sa famille. En 1947, à la Constitution souveraine, nous avons formé dans ce. Une constitution algérienne souveraine. On a une liste en 1947. Et à l'époque de la colonisation, qu'est-ce qui se passait? Parce que nous, à l'époque, dehors, on faisait de la propagande. Chaque militant qui rejoint le MTLD le fait avec ses motivations et son parcours propre. Mais tous découvrent que leur aspiration secrète à vivre libre dans un pays à eux est possible. J'étais membre des scouts musulmans algériens qu'on appelait les SMA. Et en fait, les SMA étaient une espèce, non pas de filiale, mais une école du nationalisme. Et
C'est tout naturellement avec une éducation religieuse, certes, mais une éducation qui nous rappelait que l'Algérie n'était pas française. Et j'avoue qu'auparavant, je croyais que c'était notre gouvernement. Le gouvernement français, c'était notre gouvernement, c'est normal. Avant de faire connaissance avec les gens qui défendaient l'Algérie. Mon père, il était commerçant, je travaillais avec lui dans le commerce. On faisait les marchés, Alger, Al-Harrach, Boudouaou et tout ça. Et comme j'étais jeune, je travaillais avec mon père dans le commerce. C'était un jeune commerçant et par cet par ce métier que j'avais, je dois contacter, on voyait souvent, je dois contacter beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui fréquentaient pour les attirer au PPA. Ils m'ont contacté, ils m'ont convaincu avec leur proposition de l'Algérie pour le gouvernement algérien, le gouvernement français en Algérie, ce n'est pas des Algériens, c'est des colonialistes, etc. J'ai pas été éduqué à l'école. J'ai été éduqué dans les réunions des partis. J'ai pas été à l'école arabe, j'ai pas été à l'école française. On a été éduqué dans les réunions. Il y avait beaucoup des intellectuels comme Aït Ahmed, Katib Yassine et l'Akhiri qui ont rejoint le MTLD, MTLD. Les bons militants, on a commencé à faire des tournées, des propagandes dans les cafés, recruter les gens, les militants, la jeunesse, faire des réunions. Et à partir de là, ben, les étions de, comment dire, des adhérents mohib ont payé des petites cotisations. Et ça a commencé par, des, par le vendeur de journal distribuer des tracts jusqu'à ce qu'on a commencé à écrire dans les murs. On a commencé à écrire sur les murs « Vive l'indépendance de l'Algérie ». L'Algérie libre vaincra. Nous a libéré Misail Haj qui a été en prison. Et nous avions commencé à vendre, à distribuer. Il y avait un journal du parti qui s'appelait « L'Algérie libre ». On a commencé à le propager, à le distribuer à travers et au sein du peuple algérien. En 1950, la police a découvert l'existence de l'organisation secrète et a commencé une opération de police pour la démanteler. La découverte de l'os par le colonel français, c'est là que le gouverneur général a demandé l'arrestation de Mohamed Khidr qui était député. Les centralistes, Ben Khadda, Lahoul Houssine et compagnie, ont demandé à Khidr de se livrer aux colonialistes français pour arrêter les poursuites. C'est là que Misail Haj a intervenu. Elle a dit non, il ne faut pas te livrer. Nous combattons pour un but bien précis, c'est l'indépendance de l'Algérie. Nous avions à rendre un compte à personne. Il ne faut pas te livrer. Et c'est là que Khidr a été envoyé au Caire. Bembla aussi a été envoyé au Caire. Il y a un seul qui a échappé aux recherches, c'est Hussein Aït Ahmed qui est vivant actuellement. Malgré la répression, les mots d'ordre du MTLD touchent de plus en plus d'Algériens. La tournée triomphale de Misali Haj dans l'Est algérien le confirme. Le 15 avril 1952, j'ai commencé une tournée d'information, si l'on veut, à travers toute l'Algérie. Et à Philippeville, après une réception, comme je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant dans ma vie. Et Dieu sait si j'ai parcouru l'Algérie autrefois dans tous les sens, eh bien non. Ce que je venais de voir à Batna, à Soukharas, à Galma, eh bien c'est la première fois de ma vie
que j'ai vu des milliers et des milliers. C'est dans cette situation qu'une armée de policiers, de commissaires de police, sont venus m'arrêter, me conduire dans un champ où un avion militaire m'attendait, qui m'a conduit à Blida, puis ensuite à Villacoublay, et ensuite ici à Niort, où je me trouve aujourd'hui devant vous. Messali connaît à nouveau l'exil. Après les élections municipales de 1953, une importante crise s'ouvre dans le parti. J'ai été le plus jeune élu conseiller municipal à Alger dans toute l'Algérie. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, puisque tout de suite après, il y a la crise qui éclate au sein du MTLD, justement, à cause de divergences entre Messali et le comité central, et qui m'amène à démissionner du conseil municipal en rupture avec l'orientation du comité central qui avait une stratégie et une politique réformiste. À la mairie d'Alger, un véritable statu quo s'est établi avec son maire libéral Pierre Chevalier. Un membre du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques devient même maire adjoint. Les crédits de la police et des forces de répression sont votés à la quasi-unanimité. Aucune protestation au niveau du conseil municipal quant à Paris, la manifestation du 14 juillet 1953 à la Bastille est sévèrement réprimée et que 7 Algériens y trouvent la mort. L'accord est très simple. Le MTLD et les libéraux gèrent la ville d'Alger à une condition, pas de politique au sein du conseil municipal. Chevalier, il a dit, écoute, il faut qu'on améliore la situation économique et sociale des peuples algériens. Il faut qu'on l'amène au niveau des colons pour qu'ils puissent vivre ensemble. Il a commencé par construire 10 000 logements. Il existe encore des bâtiments. Diar al-Mahsour, Diar al-Saada, il a construit pour les Algériens, pour le faire dormir. On faisait le gardien ou le garde-corps des femmes au Théâtre National d'Alger. Ce n'est pas notre travail, c'est notre rôle. Alors là, on a senti que la politique du parti de Messali Hadj commençait à baisser. Messali en appelle aux militants et aux cadres restés fidèles et décrète que l'organisation est en danger. Philel Mbarak est venu me voir et m'a fait part du malaise qui existait au sein du parti et que pour cette raison, il a été créé un comité de salut public dont la tâche la principale était de redresser le parti et en demandant un congrès extraordinaire afin que cette situation, contraire aux principes même fondateurs du parti, prenne fin. Les militants de la zone que je contrôlais m'ont donné un mandat pour me déplacer à Niort, rencontrer Messali et l'écouter et de faire un rapport. J'ai eu un long entretien avec Messali Hadj et c'est là qu'il m'a convaincu de la justesse de ses positions.
À la même époque, d'autres militants viennent à Niort voir Messali Hadj. Il y a eu un militant que j'ai connu plus particulièrement à cette occasion, qui venait souvent voir Messali, qui s'appelait Filali. Filali était un homme très courageux et très culotté aussi, si on peut dire, puisque après les massacres de Sétif et du Constantinois, il y a eu un procès intenté à Messali et à ses amis, et que Filali s'était payé le luxe de venir assister à son propre procès, dont il était censé être absent, déguisé en curé. Je rentre à Alger, je fais un compte rendu aux militants qui m'ont mandaté, et à partir de ce moment-là, nous avons décidé de faire scission à l'intérieur du parti, c'est-à-dire de refuser de payer les cotisations et ne plus reconnaître l'autorité du comité central. Ce sont toutes les organisations, toutes les structures de base du MTLD qui prennent position pour la démarche des Messali. Et nous menons une lutte pour nous réapproprier la direction du parti. Parce que, en fait, la base, c'était terminé pour le comité central. Seulement, le comité central détenait les finances et détenait les locaux et les moyens matériels. Et il n'avait plus rien à voir avec la véritable nature d'un parti révolutionnaire. Ils étaient devenus des réformistes. C'était leur problème. C'est pour cela que Messali Hadj, en faisant tout cela, il a organisé un congrès extraordinaire qui a eu lieu le 14, le 15 et le 16 juillet 1954. Et dans ce congrès, tous les éléments représentants du parti en Algérie ont été convoqués. Les centralistes ont été invités de venir s'exprimer de leur point de vue. Alors le comité central d'abord. Il n'est pas allé à ce congrès et en plus de ça, a bloqué les dépenses. Mais quand même, elles ont été financées par eux-mêmes ou bien pour une quête. Et puis, quand ils sont arrivés en France, c'est les gens de France, c'est les militants de France qui les ont accueillis. Tandis que le comité central a tout bloqué. J'ai participé en tant que délégué au congrès d'Ornu le 13-14 juillet 1954. Et où avait été élu le Conseil national de la Révolution algérienne, dont j'étais membre. Les décisions étaient prises. Quelles sont les décisions qui ont été prises? L'accélération et le déclenchement de la Révolution algérienne à une date qui a été tenue secrète, mais maintenant, tout le monde connaît à peu près, c'était la fin de l'année 54. Vu la préparation que nous avions au MTLD, le déclenchement devait se faire au début de l'année 55. Deuxièmement, ils ont élu Messali Hadj président à vie. Troisièmement, l'exclusion des centralistes, qu'ils n'ont pas voulu la révolution. Le mois suivant, malgré leur exclusion, les centralistes convoquent un contre-congrès à Alger, dont la seule fonction est de remettre en cause les décisions du congrès d'Ornu. Les cadres de l'organisation spéciale, confrontés à cette crise, ne savent pas comment réagir. Certains considèrent qu'il n'y a rien de plus important que l'unité du parti. Mais l'unité du parti entre ceux qui abandonnent la perspective de l'Assemblée constituante souveraine et ceux qui s'y refusent, l'unité du parti entre ceux qui acceptent le statut colonial de l'Algérie et ceux qui veulent l'indépendance totale de l'Algérie, unité pour le moins aléatoire, pour le moins difficile. Je rentre en Algérie et
on s'attelle à préparer la lutte armée, plus particulièrement l'achat de médicaments, de vêtements militaires, surtout ça parce que nous avions, par ailleurs, nous avions une énorme difficulté concernant l'approvisionnement en armes. Et c'est là qu'éclate le 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954, le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, le CRUA, devance la décision du Congrès d'Ornu et déclenche l'insurrection. La violente riposte de l'impérialisme français met le feu aux poudres. Ils ont ramassé des responsables messalistes et ils ont ramassé aussi des membres du comité central, de l'ancien. Pourquoi ? Parce que les Français, à ce moment-là, ils ne savaient pas exactement d'où ça venait. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Donc, si tu veux, ils ont ramassé tout le monde. Menée par le ministre de l'Intérieur François Mitterrand, la répression est féroce. Le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques est dissous et laisse sa place au mouvement national algérien en décembre 1954. Ils ont déclenché au nom de Misail Hadj, Ben Bouled Mustafa. Et il y a des témoignages importants. Avant le 1er novembre, la veille du 1er novembre, il a distribué des effigies de Misail Hadj, des petites photos de Misail Hadj, que c'est au nom de Misail Hadj que la révolution algérienne a été déclenchée et a été décidée. Ce 1er novembre 1954, comme l'a dit le frère Ali, si le FLN existait, s'il avait dit nous déclenchons la révolution au nom du FLN, je pense qu'aucun maquisard ne serait soulevé contre le colonialisme français, parce que le FLN n'existait pas. Dès le déclenchement de l'insurrection, Messali la soutient, contrairement aux autres fractions politiques, y compris le Parti communiste français et le Parti communiste algérien, qui la condamnent. Dès l'annonce des événements survenus en Algérie, dans la nuit du 31 au 1er novembre 1954, la surveillance exercée autour de ma personne est gravement renforcée. Nous l'avons dit en d'autres temps, et nous le répétons aujourd'hui. C'est en mettant fin à ce régime, en faisant droit aux aspirations de notre peuple, qu'on mettra fin à ces explosions. La population algérienne pense que c'est son leader historique qui a donné l'ordre de départ de l'insurrection. Messali suit avec passion les progrès du combat d'indépendance. Il demande à des militants français d'acheminer d'importantes sommes d'argent pour les combattants, ce qui est fait à plusieurs reprises. Pendant plusieurs jours, quoi, il est isolé, et de chez elle, nous avons essayé de le voir. J'étais avec lui, dans la voiture. Et les CRS sont laissés passer Yves de Chézel, et Yves de Chézel a dit « c'est mon secrétaire, donc j'ai pu passer ». Et là, Messali a expliqué, on a été sans arrêt la chasse d'eau, il ne voulait pas qu'on entende. Il a dit « il y a divergence, il y a des problèmes, maintenant la révolution a éclaté, ces problèmes-là, nous en discuterons après ». Il faut nourrir la révolution, c'est l'indépendance. Je vous demande de demander à Henri Pelet, pour qui il avait énormément de respect et de sympathie, qu'il aille en Algérie, qu'il amène de l'argent, beaucoup d'argent. La première somme avait été versée à Kerim Belkacem, qui était responsable de la lutte armée en Kabylie. Par la suite, d'autres fonds seront acheminés. Et j'ai accepté de faire un transport de fonds qui était assez important, enfin de plusieurs millions de l'époque. Et pour les cacher, je n'avais trouvé rien de mieux que de m'affubler d'une robe de grossesse et d'un corset très épais.
Et les billets étaient là-dessous. Que j'habitais dans cet appartement avec ma mère, mes deux jeunes sœurs, en 1955, début 55. Nous avons hébergé ici une amie qui nous ramenait des fonds du Amena. Cette femme s'appelait Janine Makar. Janine Makar, elle habitait ici. Et puis, Puis Saïd Hadj a envoyé et donné l'ordre à tous les militants, à tous les maquisades, de continuer le combat sans poser de questions qui a donné l'ordre. Il y a eu une réunion, mais pas avec beaucoup de personnes, non. Trois le maximum, 6 personnes, non. C'est pas une réunion générale, puisque c'est à Iltala Sucré. Au petit serment de ne pas trahir, de lutter jusqu'à l'indépendance. Et c'est ce qui a été fait. Le colonel Hawass est venu à Alger. J'ai eu une discussion avec lui. Je ne l'ai pas convaincu de notre orientation, mais j'ai organisé son déplacement à Niort. Il a eu un entretien avec Messali, il est revenu à Alger, je l'ai rencontré et il est reparti avec mission d'organiser les maquis dans les Aurès. Les militants du MNA entrent dans la lutte armée et rejoignent les maquis. Mustapha Ben Mohamed, nous on l'appelle Mustapha Negro. Il était responsable avant la révolution à la Casbah, pendant la révolution, jusqu'à son arrestation. J'étais le responsable, si vous voulez le terme qui n'était pas employé, mais le responsable militaire de toute la région d'Alger. Donc, dès ce moment-là, je suis entré en clandestinité. Médecin de profession, je suis le fils de monsieur Hajj Al-Arabi Hamidou, ancien militant du PPA et du MTLD. Un grand nombre de militants sont emprisonnés et connaîtront la torture, les vexations et la mort. Ce qui a cimenté l'union et l'unité des Algériens, c'était la répression qui s'était abattue sur l'ensemble des populations. Donc il y avait tous les noms connus de la révolution qui venaient dans cette maison. Voilà, entre autres, je sais, Khidr, il passait très souvent à Tlemcen, c'était ici, c'était le QG. Toutes les réunions se passaient ici. Apparemment, ma tante me disait que c'était dans cette cave. Comment mon grand-père était responsable du MNA. Juste après le déclenchement de l'insurrection armée, les policiers sont venus ici. On a été réveillés, bien sûr, en sursaut à 3h, 4h du matin. C'était en novembre, il faisait très froid, c'était l'hiver. Et on grelottait, on se demandait qui sonnait à cette heure-ci. C'était assez brutal, assez brouillon. On avait une cave, c'était celle-ci qui était fermée. Et ils ont arraché ce grillage, ils ont fait entrer un des leurs, disons un policier mince, il est entré là-bas, il a visité. Ce qu'il y avait à l'intérieur, bon, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de documents politiques, ni armes, ni rien, mais c'est pour vous dire qu'ils n'ont rien négligé, les moindres coins ont été visités. C'était le 5 novembre 1955, j'ai été arrêté.
Jeudi 1er septembre 1955. Cette date ne me sort pas de mon esprit. J'étais arrêté par les parents. J'ai été torturé. Des tortures énormes, d'électricité, de l'eau, etc. Après la fin des tortures, pendant 15 jours de torture, chez les parents. Les bassins d'eau, plonger la tête dans ses tours, hein, même l'eau n'est pas propre, l'électricité. Moi, on m'a gardé 14 ou 15 jours dans le dépôt de la police. Avec quoi? Pantalon, tricot de peau. Et enchaîné. Et j'étais emprisonné à la prison civile d'Alger, la prison de Barberousse. J'ai été emprisonné là 4 ans, près de 4 ans. En prison, Barberousse, on m'a gardé un mois au secret. C'est la première fois que j'ai vu les oubliettes. Les oubliettes, il y a comme ce placard avec une porte. Un placard dans le mur, une porte, on reste debout. Hein, et on reste debout. Ils n'ont rien près de moi. Absolument rien. Ils me disent, voilà, et ben vos camarades disent que vous étiez dans celle-là, dans l'attentat. Écrivez ce qu'ils ont dit, mes amis, que d'ailleurs ne sont pas mes amis. Écrivez. Et c'est ce qu'ils ont été. Puis ensuite, j'ai été transféré au Beaumetz, à Marseille. Et puis là, j'ai entamé une grève de la faim parce qu'on voulait m'imposer une tenue, la tenue des droits communs. Ils m'ont jeté dans un camp de concentration qui s'appelle Boukabrine. Le camp de concentration, il s'appelle Boukabrine. Cela veut dire les deux tombes. On l'a nommé comme ça. C'est dans la région de Fondouk, Misrachna. Je suis transféré à Constantine. On a passé une nuit et à partir de là, à l'Ambès. Alors là-bas, c'est plus pire encore, c'est l'enfer. En rentrant d'ailleurs, ils nous ont annoncé ce mot. Ici, l'homme baisse. En Algérie, la lutte de libération nationale est traversée par l'opposition entre le FLN et le MNA. J'ai subi une grosse pression de la part des détenus du FLN. Un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelle Siad Adr, je me rappelle de lui. Il est venu me voir au camp là-bas, dans une cour. Il me dit ceci, il me dit, allez, voilà. Il y a le commandant Ben Youssef qui vient d'être arrêté avec son groupe dans la Wilaya 4, il veut vous parler. Lui dans son but principal, il était jeune maquisard, jeune mujahid pour l'indépendance de l'Algérie. Il se trouvait au sein du FLN. Mais il ne savait pas quel est le but de la division entre le FLN et le MNA. Il ne savait pas parce qu'on ne leur disait pas. احنا نحاربوا الاستعمار حتى الاستقلال مساله نقولوا الفراق اللي بين الاحزاب هذه سيلا ديمقراطيك كل واحد والنظريه ديالو حنا رانا نحاربوا حتى الاستقلال والاستقلال الكلمه للشعب وهو الشعب يخير اشكون اللي يكلفوا باش يحكم bien des années après j'ai rencontré quelques-uns de ces militants qui m'avait menacé de mort et qui étaient quelques-uns prêts à le faire et qui ont regretté cette attitude. Pendant ce temps, en France, des militants ouvriers de toutes tendances, dont l'avocat de Messali Hadj, Yves Deschezel, soutiennent l'insurrection du peuple algérien et s'élèvent contre la répression dont est victime Messali. Maître Yves Deschezel s'est conduit comme un militant. Un avocat hors pair, un militant, quand il n'y en a pas beaucoup. Et sur ce terrain, je tiens à rendre hommage à cet homme, un homme exemplaire, et qui est une leçon pour tout être humain. À Clermont-Ferrand,
Comme dans bien d'autres métropoles industrielles, la jonction s'opère entre militants anti-impérialistes français et militants ouvriers du MNA. Lorsqu'il y a eu les événements dans les colonies, j'étais particulièrement sensible, que ce soit l'Indochine, que ce soit le Madagascar, que ce soit l'Afrique noire et l'Algérie à partir de 1954. En tant que militant d'un parti ouvrier, on diffusait des tracts pour demander la libération de Messali Hadj. Et pour reprendre un contact sérieux, j'ai fait même plusieurs cafés algériens. Donc en 1955, on a tenu cette réunion avec Yves de Chézel où il y avait peut-être 200 ou peut-être même 300 travailleurs algériens. Et après, cette scission est devenue officielle, le MNA et le FLN et la lutte contre du FLN contre le MNA. Sur Clermont, pendant longtemps, j'ai l'impression, même la conviction, que c'était le MNA qui rassemblait l'énorme majorité des travailleurs algériens qui étaient conscients des problèmes. En 1958, les propositions de De Gaulle concernant l'Algérie font l'objet de discussions dans le mouvement ouvrier et le mouvement nationaliste. Une divergence avec Messali. Messali a déclaré qu'il était prêt à négocier, ce qui est bien normal. C'est parfaitement son droit, et sur ce terrain-là, c'est pas le problème. Comme je considère que De Gaulle, la position qu'il avait, bon, était conforme aux intérêts d'un paysage français. C'est pas une question de personne. Bon, c'est une question, chacun, on défend des intérêts qui sont les leurs. Et sur ce terrain-là, bon, c'est cette question, il se trouve que pour ma part, j'étais pas d'accord. Bon, on était pas d'accord, donc j'ai vu Messali. Et à Belle-Île, et j'ai dit, mais salut, moi je pense que c'est pas cette position que vous devriez avoir, à mon avis, maintenant. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes libre. Vous savez, j'ai pas le droit même de poser ce problème sous cet angle-là. C'est bien tout le respect que j'ai pour vous. Et en même temps, je pense que pour tout le monde, la liberté de penser est absolument indispensable. Moi, personnellement, je me trompe peut-être, je pense que c'est une erreur. Je suis libéré en avril 62 de la prison de Fresnes où je purgeais ma peine et ce par rapport aux accords d'Évian, les accords d'Évian entre les responsables du FLN et les représentants du gouvernement français qui ont institué un arrêt des hostilités et prévoyant les élections de juillet qui ont abouti à un référendum pour l'indépendance. Quand on était là-bas explosant en prison, le 5 juillet, on reçoit un télégramme de Messali Hadj. Allah yarham. Vive votre indépendance. J'ai dit comment? On est en prison et les deux. Messali Hadj nous envoie un télégramme pour nous dire vive votre indépendance le 5 juillet 62 et nous étions à la prison d'Aix-Provence. Donc je vais voir Messali tout de suite. Fin avril, et je lui demande de convoquer un congrès extraordinaire du MNA pour faire le bilan. Le MNA en tant qu'organisation n'existait plus. Il y avait bien des militants, mais des militants ne constituent pas forcément une organisation qui pèse. Et je lui ai dit que je ne pouvais absolument pas réorganiser le parti sans base politique. Sur quelle base je vais réorganiser, moi, le MNA?
Or, il a refusé et j'ai dû lui dire que, qu'à partir de ce moment, il ne fallait plus me considérer comme un militant du mouvement national. Je suis resté fidèle, au MNA, malgré tout ce que j'ai subi pendant cette année de prison. Je ne change pas de veste. Je ne vais pas au FLN. En 1962, après l'indépendance, Messali Hadj ne retournera pas en Algérie. Il meurt en France en 1974. Il refusait toute nourriture. Il refusait de manger. Il faisait la grève de la faim. Parce qu'il se revoyait en prison. Et un jour, il m'a reconnu. Et il m'a dit, Annie, prenez votre machine et travaillons. Il y avait un monde fou qui venait rendre un dernier hommage à Messali Hadj. Je dis bien fou. Quand le convoi funéraire est passé, c'est un policier algérien qui, voyant passer le convoi funéraire, ils se sont mis au garde-vous et ils ont salué le convoi funéraire. C'était contraire aux ordres qui ont été donné par nos supérieurs. الفريقية مع مراني نجري فرذن نطالع في الحورية مثل العلم نغادي فن هاي الرشنا غد تزاير تامور ثنا هاي الرشنا غد تزاير تامور ثنا Dernièrement, Hamid m'a dit qu'on va faire une réunion sur Messali Hadj. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais dire moi? Je connais rien de Messali Hadj. Messali Hadj, c'est pour moi, c'est un point d'ombre qu'il faut qu'il arrête. Mais on accuse toujours d'être contre la guerre, la révolution. Je ne suis pas historien, mais tout ce que j'ai retrouvé sur Messali, actuellement, je pense qu'il est toujours d'actualité. Les Algériens, surtout les jeunes, Messali Hadj, le programme, le programme de la Syrie, maintenant, je suis allé à Jacques. Même les jeunes, mais ils ne savent pas la sourate ou la photo, mais ils ne savent pas Messali Hadj. Nous, ce qu'on veut dire à cette jeunesse, la vraie histoire de l'Algérie, c'est pour eux. La vraie histoire doit être écrite comme qu'elle était, pour que la jeunesse d'Algérie étudie même dans les écoles l'histoire de l'Algérie. Parce qu'un pays sans histoire, ce n'est pas un pays. D'abord, les jeunes, je leur dis, le tarikh est le miftah. Ya chabab, hawl, ta'raf menin jit. Parce que si tu ne sais pas menin jit, tu ne sais pas où tu es. Et si tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas. هذه ماشي معنى كانت تكون ساجين للماضي لا الماضي يكون مساعد ليك باش يديك nous demandons au peuple algérien à la jeunesse algérienne aux intellectuels et à l'élite algérienne c'est l'écriture de la véritable histoire du mouvement national et de la révolution algérienne et qu'on doit mettre chacun à sa place afin que notre jeunesse et le peuple algérien connaîtront les vérités historiques. Il n'a pas besoin d'être réhabilité. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il ne s'est pas rendu coupable de forfaiture. Le premier enseignement que tout Algérien peut tirer après avoir écouté et regarder les images de ce film,
c'est le droit de se réapproprier notre histoire, toute notre histoire. Si l'étoile nord-africaine au départ, puis le PPA avec force avait posé la question de l'Assemblée constituante, après le déclenchement de l'insurrection armée, cette question a été mise de côté, quoi, entre parenthèses. Et après l'indépendance, c'est le système de parti unique qui a dirigé le pays pendant 30 ans. Mais Sali Hadj n'a jamais séparé la lutte pour l'indépendance nationale de la satisfaction des revendications des ouvriers et des paysans pauvres. Le pain, la paix, la terre et la liberté, dans le programme du PPA, articulé autour de la question de l'Assemblée constituante, donc du suffrage universel et des nationalisations. Les nationalisations des banques, des chemins de fer. À l'époque, il n'y avait pas encore les découvertes des hydrocarbures. Ces questions sont-elles d'actualité aujourd'hui? Plus que jamais. Je vous ai dit que si j'étais professeur et si j'avais le peuple algérien pour élève, je lui donnerais à conjuguer le verbe « organise-toi » sur tous les temps et sur tous les tons. Thank you.